Et tout le monde, c'est Delta Dracon. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures. Et il faut que je rentre dans ce bâtiment. Ça veut dire quoi ces bruits là? En plus. Ok. Un trou à rein, en effet. Bon. Eh les gamins, je cherche une femme du nom de Maya. Hein? Qu'est-ce qui est drôle? Maya, c'est pas une adulte, c'est juste une fille ordinaire. Attends, c'est toi qui as essayé de vendre une arme de pacificateur à Hubert? Ouais, mais le crétin n'en a pas voulu. Il a flippé et m'a chassé. Tu l'as trouvé où? Comment t'as pu mettre la main sur l'arme d'un pacificateur? On l'a tous trouvé. On se baladait avec ses punks et on est tombé sur un cadavre. Ça arrive souvent. Il était complètement mort. On l'a fouillé et j'ai pris le point américain. Je me suis dit qu'il y aurait bien quelqu'un pour m'enfiler un beau paquet. Ah, tu vas être dans la merde. Maya, j'ai besoin de cette arme. C'est très important. Tu penses que je vais te filer ce machin? Mais t'es taré. Le vrai nom du machin est le Lazare et il appartenait à un pacificateur très haut placé. Une guerre risque d'éclater si on le rend pas. Tu peux nous aider à trouver un tueur. Ok. Je te donne ce truc stupide. Pour 500. Négocier. Ça fait une belle somme, petite. Évidemment. La vie est chère. Je dois acheter de l'eau et un marqueur pour mon frère. Il aura bientôt 12 ans, tu sais. Je peux t'en donner 10, et c'est ma dernière offre. D'accord. Personne voulait l'acheter de toute façon. Ah oui, grosse négociation. Bon. J'ai le Lazare. Oh. C'est beau. Non, dis-moi qu'il y a un... Ah, ça... Ça fait plaisir. Alors... Merde. J'aurais bien aimé en avoir un de plus. Shit. Alors, on en trouve facilement avec les quêtes. Eh, hey, Hakon. J'ai trouvé le Lazare. Cool. Retourne voir Aitor avec ça. Ça lui fera un cadeau d'anniversaire parfait. Bien que j'ai aucune idée de la date d'anniversaire de cet abruti. Je serai près de la station de métro. Ok. Bon, allez, faut sortir. Hop. Putain. Il y a des sacs et compagnie, alors... Non, en vrai, non. Vas-y, c'est bon. J'ai assez farmé. Puis je farm en off, de toute façon. Donc, je vais pas vous infliger ça. Alors, est-ce qu'on peut s'accrocher à ça? Oui. Putain, 300 mètres. Hein, c'est long. On fait que courir dans ce jeu, je vous jure. Ouais bah battez-vous, moi j'ai pas le temps. Hein. Moi je veux avancer un peu. D'accord. J'ai l'impression d'avoir vu trouver un truc différent. Personne ne compte. Hop là. Impossible. Il se passe un truc bien. J'ai pas le temps. Hop. J'ai pas le temps, par contre on va récupérer bien tout ça. Les champipis aussi. D'ailleurs si je peux avoir des meilleurs trucs pour... pour mon farming. C'est-à-dire des trucs qui me permettent de rester plus longtemps dans le... dans l'obscurité par exemple, ça serait cool. Hop là, hop, huch, 1, 2, 3, tada. Bon,
fous de ce qui se passe. Ils peuvent se passer ce qu'ils veulent en ville. Tout ce que je veux, c'est avancer. Vu le dernier épisode, j'ai pas le choix, il faut que j'avance. Merde! Oh, putain, sa mère l'hippopète. Je vais bien. C'était pour le spectacle. Je suis surtout presque mort. Est-ce qu'il y a des vendeurs ici? Je me souviens plus. Il y a personne. J'espère qu'ils vont pas réduire les portions. Allez, on est parti voir notre ami. Ah, le pèlerin est de retour. Les mains pleines, j'espère. J'ai trouvé le Lazare. Oh, bordel. Je savais que t'étais capable de faire mieux que nous. Où est l'enfoiré qui l'avait? À Meatpacking Square. Tu l'as pas laissé partir, hein? Ça pourrait être le meurtrier. C'était une fille, une dizaine d'années. Mais c'est pas elle qui l'a tuée, elle a juste piqué le truc. Arrête, on continuera ça plus tard. Laisse-nous. Il était vraiment en train de se faire tatouer? C'est quoi ce tatouage? On dirait une constellation sur ton bras. Ce sont des tatouages de rang. Quand les ressources ont commencé à manquer, les tatouages ont remplacé les médailles. C'est un signe hiérarchique. Comme en prison? La prison ou les militaires, c'est la même chose. Il y a toujours une hiérarchie. Ok. J'ai fait ce que tu voulais. À toi. Fais-moi entrer dans le centre. Ouvrir le tunnel vers la boucle centrale dépasse mes compétences, pèlerin. Le commandement veut que je trouve le tueur. Eitor t'a promis! Calme-toi, pèlerin. Je tiens mes promesses. D'abord, prends ça. Un gage de gratitude. Eitor, je dois aller au centre. Tu comprends? Tu cherches quelqu'un, c'est ça? Je veux aller à la boucle centrale aussi. Ma femme et mes enfants sont là-bas. Et je peux pas les protéger si je suis coincé ici. Le tunnel s'ouvrira quand je trouverai le tueur. C'est clair? Tu peux m'aider. Ou tu peux attendre que je le trouve moi-même. Je vois des traces de sang sur les lames du Lazare. Lucas a réussi à blesser son assassin avant de mourir. Le bâtard doit avoir une méchante entaille. Si tu le trouves, tu feras pas que m'aider. Tu le feras aussi pour toi. D'accord. Est-ce que t'as des suspects? Le commandant s'est fait tuer dans le bazar. C'est forcément l'un d'eux. C'est quoi ton problème avec le bazar? Les habitants du bazar sont des gens simples. Pourquoi ils risqueraient de vous défier? Voilà pourquoi je veux découvrir la vérité. Avant qu'on nous donne l'ordre d'utiliser la force. Et puis, les apparences sont parfois trompeuses. Ils veulent se débarrasser de nous. Ils pensent que l'anarchie, c'est la clé pour créer un nouveau monde. Eh ben, l'anarchie est partout de nos jours. Karl est un escroc faussement pieux. Il lave le cerveau des autres avec de beaux discours. Il dit que tous les gens sont égaux, mais c'est des conneries. Tu peux pas être un leader et l'égal de l'autre en même temps. Bon, je vais essayer de trouver l'assassin de Lucas. Magnifique. C'est ton ticket pour le centre. Retourne au bazar. Y a autre chose que je devrais savoir avant d'y aller? Oui, effectivement. Mais c'est top secret. Il faut surtout pas que ça se sache. Ça a l'air sérieux. Celui qui a tué Lucas a pris un petit trophée. Il a découpé son tatouage directement sur son bras ensanglanté. Ils ont taillé dans le cadavre? Oh, c'est vraiment dégueu. Ouais, sérieusement. Si les hommes découvraient que Lucas a été profané comme ça, ils perdraient leur sang-froid. Et ce serait la guerre totale. Je te le dis parce que si tu trouves ce petit trophée, alors tu trouveras le malade qui a tué Lucas. Compris. Je pars tout de suite. Bon, bah à l'attaque, hein. Bon, il m'a donné un truc en plus. Et quelle heure? 16h52. Ah. Qu'est-ce que je fais? Niveau parcours, ouais, on est encore loin de réussir. Inhibiteur, bon. 2500, 1500, ouais, mais j'ai pas d'inhibiteur avec ça. Putain, il y a le premier biomarqueur. Putain, il y a un inhibiteur, hein. À choper. Je me ferais bien cette quête-là, hein. Aiden, toujours en vie? T'es inquiet pour moi, en fait? Bien sûr.
J'ai de grands espoirs pour toi, Aiden. Rejoins-moi dehors. Vous pouvez parler à quelqu'un, là, non? Eh hey, mec, où est-ce que je peux trouver de la bouffe? À la cantine. On a une cantine et un hôpital dans notre base. Comme dans l'armée. Pas comme dans l'armée. C'est l'armée. On apporte de l'ordre dans ce putain de chaos. Et toi, t'es qui? Un pèlerin. Je suis un coursier. Je voyage entre les zones. Un pèlerin? T'as tout compris. Eh ben, faut en avoir pour se balader en dehors de la route comme ça. Ok, c'était une interaction vachement pas utile. Il y a de quoi dormir, je sais plus. J'arrive pas à savoir si on peut dormir. Aucune putain d'idée. T'es sur le territoire des pacificateurs ici. Plie-toi aux règles si tu veux pas te faire arrêter. Ok, bon. Ouais. Alors le problème. C'est l'heure qu'il est, 17h06. Faut que je trouve. Voilà, ça. C'est quoi ça? Planque du joueur. L'enquête a bien avancé apparemment. Hey, tac. Il va vraiment m'empêcher de monter à chaque fois. Ok. Attendez. Pourquoi mon objectif il est à 30 mètres? Qu'est-ce que je dois faire? Parler à Econ. Non, Econ il va attendre un peu. Je m'en fous. Hop. Je vais essayer la quête de l'hôpital. Tranquille. Alors. Conteneur d'inhibiteur détecté. Trop rigolo. Alors, on va passer au moins la nuit. Où est-ce qu'il est mon lit? Ok, déjà il y a un marchand ici. Alors, je veux du tissu. Je veux ça. Tes équipements. T'as rien de ouf à me vendre. Ça c'est content, on s'en fout. Quoi? Bleh. Équipement, non. Ok. J'ai rien de spécial ici si j'ai un pantalon. C'est toujours utile. Pense à revenir me voir. Ok, alors. Où est mon pieu? Ici. Allez, on va attendre la nuit, ensuite on va attendre le jour. Ah là là. Hop, et on va attendre jusqu'au lendemain matin. Comme ça, on est sûr d'avoir la journée devant nous. Pour l'instant, il faut pas de nuit parce que j'ai pas du stuff incroyable. Et que je peux pas. Mais qu'est-ce alors. Qui m'a pris de mettre de l'engrais sur mes plantailles? T'as pourri ma ben. Je parie que tu te demandes comment les mordeurs survivent en pleine journée, tu sais. J'ai l'impression d'avoir les tuer. C'est quoi ça? Pourquoi il y a une alarme? Je comprends pas ce qui se passe. Parlez à Econ. Alors. Vas-y. Aitor veut que je trouve le meurtrier de Lucas. C'est seulement après qu'il m'aidera à aller au centre. Tu fais ces sales besognes? Bah c'est sans surprise. Il m'a dit de commencer par le bazar. J'ai compris. Les pacificateurs et le bazar se détestent vraiment. Seules deux personnes sont importantes au bazar. Et l'une est ce prédicateur pompeux, Karl. Je sais ça. Qui d'autre? Sophie, son bras droit. Elle a un don avec les âmes les plus rebelles du bazar. Ça l'aide à garder le contrôle. Il y a aussi Dodger, un truand du coin. Il sait pas mal de choses. Qui, quand et avec qui. Et les bandits de Joe. Mais ils évitent les pacificateurs. Ok, je vais parler à Sophie et tu t'occupes de Karl. À moins que tu préfères la fille. Sophie?
c'est pas vraiment mon genre, tu sais. Et obstiné. Tu verras. Ok. Et il faut que je retourne à 300 mètres. Mon kiff. Ah, Factor Simulator. Bon, c'est pas pire que Stranded Deep. Parce que ce jeu-là, c'est vraiment Factor Simulator. Mais quand même. Oh, je m'en fous. Hop. Oui, ben conteneurs, pour l'instant, je peux pas les faire, les conteneurs. Et ça m'embête. Non. On n'est pas là pour farmer. Je farmerai dans le prochain épisode. Enfin, dans le prochain... prochain truc off. Peut-être éviter que les gens se fassent tuer. Récupérer tout ça, faut regarder aussi si j'ai pas des plans à débloquer. Hop, alors. Pourquoi c'est toujours moi qui dois ramasser du bois? Je sais pas. Huch. Hop là, c'est bon. Ah pardon. Ok, allez. Enculé de merde. Il m'empêche de rentrer. Allez, en avant. Hey, t'es qui toi, putain? Du calme, chef. C'est pas un pacificateur. Qu'est-ce que t'en sais? Il rôde sans arrêt dans les parages. C'est l'étranger, le pèlerin. Hein? Oh, lui, je viens de l'extérieur. Bordel de couilles. Je sais pas ce qui t'amène ici, mais fais gaffe à tes fesses, pèlerin. Et n'approche pas des pacificateurs. Ils sont potes avec personne. Cette fois avec un biomarqueur. D'accord. Karl m'a dit de te conduire à lui si tu passais par là. Il voudrait se présenter. Ça le change de vouloir me pendre. Ça, c'est vraiment un truc scénaristique qui va pas bien. Souviens-toi, l'humanité a créé une civilisation qui s'est avérée être un colosse sur des jambes d'argile. On peut pas commettre les mêmes erreurs. Il voulait pas, mais il était obligé. T'étais une menace pour tout le monde. Bien sûr. Donc je pouvais rentrer et pas maintenant, et maintenant je peux plus. Imbécile qui appelle à la reconstruction. Il n'y aura pas de reconstruction. Qui aurait pensé, un pèlerin au bazar. Bienvenue. Ouais, toujours en vie, malgré tes efforts. Ah, je vois bien que tu m'en veux. Mais tu comprendrais si t'étais à ma place. On est responsable de la protection de la communauté. Et on fait ça sérieusement. C'est pour ça qu'on a réagi comme ça. J'espère que tu nous pardonneras. Alors, dis-moi, comment ça se passe dans le monde extérieur ces jours-ci? Je sais pas, j'ai envie de te tuer. Tu voulais que je vienne pour tel bout de gras? C'est des ragots que tu cherches, Karl? Non. Mais tu viens de l'extérieur et tu traînes autour de mes ouailles. Bon, tournons pas autour du pot. Je veux savoir si t'es un loup ou un agneau. Alors? J'aime pas ta métaphore. Je suis pas fan de la métaphore. Ah oui, je vois. Les pèlerins sont pas amateurs de métaphores ou de poésie. Ils préfèrent agir. Ouais, ah oui. À ce propos, je cherche Sophie. Ah oui. Et pourquoi, je te prie? J'ai un paquet pour elle. J'ai un paquet pour elle. Je crois pas, non. Pardon? Sophie connaît personne en dehors de Ville d'Or.
Elle est née et a vécu ici. Merde. C'est sans doute pour ça qu'elle s'en fait autant pour la ville. Elle m'aide beaucoup. Alors, à moins qu'il ne s'agisse d'un paquet de la rue d'en face, je vais dire que tu bluffes. Qui dit que je bluffe ? Moi ? Ça se sent à 1 kilomètre. Mais d'accord. Je vais te dire où elle est. Et tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que même si tu viens avec de vilaines intentions, elle saura te gérer. On saura tous te gérer. Comme on l'a déjà fait, pèlerin. Passe par là. Tu verras un homme géant. C'est Herman, son garde du corps. Sophie sera pas loin. Merci, c'était pas si difficile que ça. Ne mens plus jamais, pèlerin. Dis-moi, est-ce que je mens, moi ? Fais juste preuve de politesse. Oh, je l'aime pas, lui. Bah, il a disparu. Comment j'ai envie de le trancher ? On va peut-être éviter, mais... C'est ça, votre géant ? Sophie, on peut parler ? Ne lui fais pas de mal, Herman. Laisse-le parler. Il va se calmer ou je vais le trancher, lui ? Lui, à un moment, je vais devoir le tuer, je pense. Je m'appelle... C'est toi le pèlerin qui est arrivé en ville récemment. T'es bien renseigné, on dirait. J'ai pas vraiment le choix. Je suis responsable de la sécurité ici. D'ailleurs, t'as fait une belle entrée hier. Je cherche du travail. T'aurais rien pour moi ? On dit que tu sais te rendre utile. Mais je préfère m'en assurer. Pourquoi pas une petite course pour commencer ? Qu'est-ce que tu proposes ? Va voir un des maîtres artisans, Alberto ou Vincenzo. Ils connaissent tous les deux l'emplacement des cristaux les plus purs. J'en ai besoin pour... une certaine transaction. Alors... Quel genre de transaction ? Une certaine transaction ? Y a un truc que je devrais savoir ? La curiosité est la première étape sur la route de l'enfer. C'est ce que dit Karl. Et t'y crois ? Je crois qu'il faut pas faire confiance aux étrangers. Et c'est ce que tu es, jusqu'à présent du moins. Trouve-moi d'abord la localisation des cristaux. On verra ensuite ce qu'on pourra faire. Bon bah... Bien, je vais aller parler à l'un de ces maîtres artisans. Il devrait être au bazar. Assure, et on pourra réfléchir à te donner des missions plus importantes. Attention. Question. C'est le bazar, ça ? Non, parce que... On me dit d'aller au bazar et tout, mais... Vous êtes vite embêtant, non ? Il y a des trucs d'armes à choper, ok. Il y a un nombre de quêtes, je vous jure. Les quêtes secondaires, je vais en faire... Bon, je vais en faire en vidéo avec vous, hein, de toute façon. Alors, ouvrir. On va en récupérer déjà, pour être sûr. Vas-y, parle. Moi, c'est Damien. Aiden. T'es nouveau dans le coin, pas vrai ? Je suis déjà passé. Est-ce que ça fait une différence ? J'étais fier. Je croyais connaître tout le monde dans ce trou. Mais toi, je te connais pas. Peut-être parce que je viens de débarquer en ville. Vraiment ? Waouh ! Respect. J'ai entendu dire que c'était un vrai bain de sang au-delà des murs. Quel est le rapport avec le boulot ? Aucun, mon ami. J'essaie juste de voir clair dans ton jeu. Et j'aime ce que je découvre. Bon, à propos du boulot. Tout d'abord, il faut une bonne dose de discrétion de ta part. Tu vas faire des affaires pour mes partenaires. Et pour eux seulement, pour personne d'autre. Prépare-toi à les rencontrer sur West Quarry End. Ils te donneront tous les détails. J'ai pas encore accepté. Tu n'as pas dit le contraire non plus. Réfléchis à ça un peu. Tu changeras d'avis. C'est de l'argent facile. Ouais, je le sens pas lui. Bon. Toi t'es qui ? T'as l'air angoissé. Hey, Jonah Jameson. Regarde Urban, ton ami le fouineur est de retour. T'as trouvé du boulot ? Pas encore. C'est pas une question de chance, gamin, mais de personnalité. Comme la tienne ? T'as pas froid aux yeux. Bien. Qu'est-ce qui peut bien te faire plaisir ? Des informations. Quelqu'un comme toi doit être au courant de tout ce qui se passe. En toute modestie, et je ne vais pas le nier. Un petit oiseau t'a dit ce qui est arrivé à Lucas ? Tu sais, j'ai entendu dire qu'un pèlerin avait débarqué en ville. Trop curieux. Il pose un tas de questions à tout le monde. Toujours à se mêler de tout.
un peu comme toi. Et ça peut pas être une simple coïncidence. Bien sûr que si. Faut pas les croire. T'as du nouveau à propos de Lucas ou pas? Ce genre d'information n'est pas donné. Tu n'as pas de quoi te le permettre. Je pourrais travailler en échange. Un boulot. T'as du travail pour moi? Donne ton CV à ma secrétaire et on te contactera. Arrête un peu, me prends pas pour un con, je suis sérieux. Tu débarques ici comme si t'étais chez toi. T'es vraiment couillu, toi. J'aime bien ton style, mon gars. Ou devrais-je dire, pèlerin. Bon. J'ai peut-être un petit boulot pour un gros dur comme toi. Si tu t'en occupes, on verra si tu vaux la peine d'être connu. De quoi t'as besoin? Pas grand-chose. Tu dois jeter un œil sur un gars qui est en retard avec ma livraison. Ça fait quelques jours que je l'ai pas vu. Il essaie peut-être de m'éviter. En général, personne me fait attendre comme ça. Personne. Qui est ce type? Hubert. On l'appelle Hubert Lapoisse. Je le connais. Il porte bien son surnom. Je veux que tu découvres ce qui lui est arrivé cette fois. Ok. Je reviendrai après lui avoir parlé. Il vit dans le plus grand bâtiment en périphérie de Trinity Court, à l'opposé du bazar, sur Orcho. Impossible de le louper, mais arriver jusqu'à lui sera une toute autre histoire. Non mais je peux m'en occuper. Je peux m'en occuper. Quand tu seras sur place, le mot de passe est Sayonara. Il saura que c'est moi qui t'envoie. Compris. Bon. Parfait. Bon, j'ai toujours pas d'infos sur le Lucas. Bon, je devais aller voir à 13 mètres. Non, déjà d'abord. Je n'ai pas spécialement d'équipement, j'ai pas spécialement de marchandises. Toi, tu as quoi à vendre? Tout ça. Ça, c'est pas ce que j'ai besoin forcément. Pantalon, ok, moins d'XP de parcours. Ok, allez. Aiden, t'as entendu parler d'un atelier sur nature? Oui! Un atelier! Oh, de l'Occident. Quel bon choix! Améliorer. Ça m'aurait kiffé de. D'améliorer tout ça, mais. Tu as trouvé ton bonheur? Comment je parle là? Poser des questions au maître artisan sur les cristaux. Eh ben. Pourquoi je ne peux pas? C'est cette quête-là que je veux suivre. Ma qualité démolie. Parlez. Explose la culture. Ok. Sophie m'envoie. Elle dit que tu sais où est-ce que je peux trouver des cristaux. Ah, bon sang! Ils ont déjà envoyé un de leurs. Penku? Qui ça? Ce gars, le frère de Sophie. C'était quoi le nom de ce trouduc? Barney. Le nom du trouduc, c'est Barney. Et il a posé la même question, à propos d'une zone sombre avec des cristaux. C'est une nouvelle pour moi. Alors, où est cette zone sombre? 120... Papa, je peux lui dire? Ah, je t'en prie. À 100 mètres du métro, il y a un grand panneau, Fashion Store, et un moulin à vent, de l'autre côté de la rue. Merci. Tu bon. As l'air de quelqu'un qui veut le top du top. Alors, déjà, cette quête, elle me donne quoi? Là, j'ai un truc qui me donne un inhibiteur. Là, j'ai une masse, ouais. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que. Un inhibiteur, ça me permettrait d'augmenter surtout mon XP de parcours. Ce qui le ferait monter à 140. Ou après, je peux monter mon fight. Parce que ça peut me permettre d'avoir pas mal de petites choses en plus. Ouais, pas tant que ça. Hein. Ouais, ce sera mieux de prendre le parcours en premier, je pense. Puisque le parcours, je vais moins vite le monter que le combat. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et nous, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Sur ce, ciao.